Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, du secteur privé, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les élus, distingués représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, autorités traditionnelles, religieuses, administratives, politiques, monsieur le préfet et son représentant, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, chers exposants, entrepreneurs, artisans et artistes, monsieur les opérateurs économiques, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout remercier les organisateurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo de m'avoir invité à la cérémonie d'ouverture de cette quinzaine commerciale qui est entrée dans les mœurs et qui figure en bonne place au palmarès des activités de la Chambre de commerce et d'industrie de notre pays. Il s'agit de la première édition organisée après la fin des délégations spéciales et l'élection des conseillers municipaux dans un cadre multipartite depuis les décennies. Je voudrais également exprimer mon appréciation du travail accompli depuis des décennies par la Chambre de commerce et d'industrie. Bienvenue à tous. Jusqu'à la fin de l'année 2019, sauf si les organisateurs ont décidé autrement. Commerçants et chefs d'entreprise, artisans et artistes, exposants de tous ordres, vont redoubler d'énergie et rivaliser d'ardeur sur le site de cette quinzaine commerciale pour faire découvrir au public leurs talents, leurs innovations, leur savoir-faire à travers la diversité des articles et produits proposés. C'est le lieu pour moi de les féliciter et de les encourager à l'excellence, afin qu'au fil du temps, de l'expérience engagée, ils attirent davantage de monde et surtout davantage de clients. La promotion des activités commerciales de la plus petite échelle à la plus grande, efficace pour l'économie et cette quinzaine commerciale est une heureuse opportunité d'échange à tous les niveaux entre les acteurs, notamment les exposants, le public, les autorités administratives et autres, qui sont les parties prenantes de cette grande caresse. Je voudrais, au nom de toute l'équipe du conseil municipal de la commune d'Ofka, saluer le dynamisme, l'ingéniosité de nos compatriotes, et plus particulièrement des femmes togolaises qui savent se surpasser et même se dépasser. Pour peu qu'on les encourage dans l'exercice de leur activité, en minimisant les contraintes et les entraves. La commune d'Ofka dispose d'énormes potentiels. Mais, comme les populations de notre pays, celles du Ofka ne profitent pas des atouts de leur commune à cause de la mal-gouvernance ambiante qui plombe le climat des affaires dans notre pays. Mesdames, messieurs les opérateurs économiques, ne vous voyons pas la face. Vous savez mieux que quiconque que l'environnement politique influe sur vos affaires. C'est pourquoi d'ailleurs, il constitue la préoccupation majeure identifiée dans toutes vos études. N'ayez pas peur de reconnaître et de dire au gouvernement que ODD, PND,
émergence, etc. sont de vrais mots sans une bonne gouvernance politique qui passe par des processus électoraux transparents susceptibles de contribuer à garantir un climat des affaires apaisé et finalement le développement durable, créateur de richesses et pourvoyeur des emplois dont ont besoin les jeunes de nos quartiers, communes et de nos pays, partie intégrante de nos avancées. Mesdames et messieurs, nous avons pour notre part la ferme conviction que la bonne gouvernance politique et économique, le respect des libertés publiques, l'instauration d'un environnement sain, la recherche permanente de la sécurité pour tous, l'observation des règles du jeu démocratique constituent des éléments éminemment porteurs de richesses qu'il nous appartient de créer et surtout de gérer dans l'intérêt de nos populations. Mesdames et messieurs, en félicitant chaleureusement et en remerciant vivement et les organisateurs, les exposants et tout le public, je souhaite plein succès à la 35e quinzaine commerciale. Bientôt Noël et le Nouvel An. Mes vœux les meilleurs vous accompagnent. Merci de votre attention.